Hey, bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais et bienvenue dans OL Night System spécial. Tous les soirs à 17h30, on se retrouve pour le lien avec les supporters. On se retrouve avec une personnalité du foot français. Ce soir, nous recevons Pierre Ménès. Bonsoir Pierrot et merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Salut Bart. Pierre, la première question, parce qu'on est très bien élevé et puis surtout on a du cœur. Comment va la santé? Ça va, c'est fini. C'est réglé. C'est de l'histoire ancienne pour toi? T'en as un peu marre d'en parler? Non, mais bon, quand ça va, je dis que ça va pas, puis quand ça va, je dis que ça va. Je suis sorti de l'hôpital il y a 3 semaines, ou 4 d'ailleurs, je ne sais même plus. La première semaine a été vraiment dure parce que j'étais très très fatigué. Et puis là, comme on a eu jusqu'à il y a une semaine du beau temps, j'ai profité de la piscine pour faire de l'exercice un petit peu, parce que bon, la marche n'est pas encore exceptionnelle. Parce qu'encore une fois, je suis resté 8 jours sans marcher durant cette période. Donc, voilà. Mais bon, on ne se plaint pas. Hein. À la limite, j'ai tellement l'habitude d'être malade que je m'en remets peut-être plus facilement que les autres. Pierre, quelle est ta position avec cette mascarade qui change tous les jours ou presque, la reprise de la Ligue, hein, pas la reprise, on stoppe, on fige, à la 27e, à la 28e, et les coefficients et... Est-ce qu'on a été trop vite, trop fort, et est-ce qu'on a fait n'importe quoi, ou est-ce qu'on a pris la bonne décision selon toi? Il y en a un qui a été trop vite, c'est Édouard Philippe, qui explique donc à la France que vous pouvez vous entasser dans le métro le 11, que le personnel soignant peut continuer à risquer sa vie dans les hôpitaux pour 1200 balles par mois, que les caissières de supermarchés peuvent continuer à accueillir des gens qui ne respectent pas forcément les gestes barrières et qui nous expliquent, sans bouger un sourcil, qu'on ne peut pas jouer au foot, à huis clos bien sûr, avant le mois de septembre, ce que je trouve quand même absolument aberrant, puisque avant le déconfinement, Olivier Véran nous avait dit « si les chiffres ne sont pas bons, on restera confiné », qui disent « on refera un point dans 3 semaines ». Et pourquoi on ne fait pas la même chose avec le foot ? Si en 3 semaines, on s'aperçoit que le déconfinement se passe super bien, qu'est-ce qui interdit au foot de reprendre fin juillet, mi-juillet? Alors après, il y a un truc dont personne ne parle jamais, c'est que si on doit s'infuser 10 journées pendant l'été et repartir sur une saison juste derrière, d'un point de vue physiologique, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Chaque jour qui passe, évidemment, fait que... il n'y a pas de bonne solution et chaque jour qui passe nous éloigne d'une reprise du championnat. Alors ça, c'est mon point de vue sur le gouvernement. Après, à la Ligue, mais on n'a pas attendu cette histoire pour le savoir, c'est un vaste bordel puisque Quillot et Bois de la Tour ne peuvent pas se saquer et se tirent la bourre. Alors moi, je suis plutôt du côté de Nathalie, qui est une femme chouette et qui a des idées, mais bon, Quillot ne lui fait aucune confiance, c'est très très compliqué pour elle. Donc, tu sais, quand tu sens une vacance comme ça à la tête d'une institution, il y a des gens qui s'y engouffrent. Et évidemment, pour ce qui est de s'engouffrer, Jean-Michel Aulas est en tête de liste. Maintenant, il dit pas que Maintenant, pour ce qui concerne Aulas, il faut bien séparer le fond de la forme. Explique-nous. Sur le fond, je trouve qu'il a plutôt raison, sur le fait qu'on a été trop vite. Que le football français a accepté la décision du gouvernement sans se battre, sans dire on fera un point, nous on attend mi-juin pour refaire un point. Bon voilà, ils ont accepté et on voit aujourd'hui que toute l'Europe veut reprendre et voilà. Et peut-être que dans un mois tous les autres championnats ont arrêté parce qu'il y aura eu des cas de coronavirus partout et c'est nous qui aurons raison, mais il y a aussi une vraie possibilité pour qu'on passe pour des cons. Donc, sur le fond, Jean-Michel Aulas, il a raison sur beaucoup de points. Après, il y a la forme. Je veux dire, ça suffit, 3 tweets par jour. Puis, il change d'avis. Et puis, il faut faire des playoffs. Et puis, il faut reprendre le championnat. Et puis, le mode de calcul n'est pas bon. Et puis, je fais un procès à Hérault. Et puis, ça comme lui nuit. Je lui ai dit en plus un jour, ça comme lui nuit tellement. Tellement. Alors, tu parlais du fond et de la forme. Allons-y. Si la com lui nuit tellement, comme tu dis, dans le fond, Pourquoi, dans ce cas-là, il arrive quand même à faire passer des messages toujours intéressants ou inintéressants, selon si tu as le maillot de Marseille sur le dos ou le maillot de l'OL, ça dépend, mais c'est son fonds de commerce et c'est comme ça qu'il a construit le club et c'est aussi sa force. Mais c'est pas, moi, je ne comprends pas, c'est qu'on résume cette histoire, une guéguerre Marseille-OL. Non, j'ai donné un exemple. Hein. Oui, non, mais il y a quoi ? Il y a 10 points d'écart entre les deux clubs. Plus 16 jeux, je crois. Voilà, donc Lyon ne serait jamais revenu. Lyon pouvait espérer au mieux une place en Europa League et encore en faisant une fin de parcours nettement supérieure à ce qu'ils nous ont montré cette saison. À partir du moment où la Ligue entérine la décision du gouvernement et décide de choper le championnat, il faut bien trouver un mode de calcul. Est-ce que tu le trouves juste ? La moyenne de points, oui, je trouve ça juste. Oui. Je trouve ça juste. C'est plus juste que la saison blanche qui n'avait pas de sens parce que quand tu as 20 clubs qui se sont fait chier à faire les 3/4 du championnat, c'est quand même absolument aberrant de dire on va vous jeter vos 28 matchs à la poubelle. C'est plus juste. Ouais, mais on sait tous aussi, Pierre, que le championnat à la 28e journée, si tu regardes l'historique et tu regardes le championnat à la 38e journée, c'est quasiment jamais le même classement, en bas comme en haut d'ailleurs. Bien sûr, c'est pour ça que ça n'aurait pas été juste d'arrêter au classement. Arrêter à la moyenne de points, c'est arrêter à un instant T. Voilà. Quand tu as joué tous les cadors, par exemple, et que d'autres équipes ne les ont pas joués, est-ce que tu trouves ça juste ? C'est une question, hein, j'essaye pas de te mettre en tes retranchements. Mais je ne dis pas que c'est juste. Je dis comment on peut faire autrement à partir du moment où le gouvernement te demande d'arrêter la saison. Donc pour toi, c'est la moins pire, en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Aulas, il veut finir la saison, mais si le gouvernement ne te le permet pas, tu vas aller jouer au Qatar. Alors après, ce qui est aberrant, c'est que la Ligue des Champions va avoir lieu et que ça va être dramatique pour Lyon et le PSG parce que tu auras des équipes qui n'ont pas joué depuis 3 mois et qui vont jouer des équipes qui probablement auront, elles, des matchs dans les jambes. Mais moi, je demande où est la bonne solution ? À partir du moment où le gouvernement se dit, ou alors il en aurait pu dire on reprend le championnat début septembre, mais alors comment on fait après, c'est aussi un petit peu insoluble. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un retournement de situation possible ou pas ? Moi, je pense qu'on peut peut-être reprendre la prochaine saison en août à huis clos. Mais sur les 10 matchs qu'il reste à jouer, parce que regarde, là on est le 8 mai, vive la France, on est le 8 mai, si les équipes reprennent l'entraînement 3 semaines, ça peut faire une reprise début juin, tu vas leur coller 10 matchs jusqu'à la mi-juin pour une reprise en août, c'est pas très raisonnable pour la suite, faut penser à... Il faut penser aux joueurs qui sont en équipe de France, qui peuvent l'être. Et si c'est pour qu'ils arrivent atomisés à l'euro, ce n'est pas non plus une solution, quoi. 04 84 80 69 2 fois Pierre Ménès est l'invité d'OL Night System spécial confinement. Et vous avez la possibilité d'intervenir chaque soir. Et ce soir, c'est Yoram qui vient nous voir, qui est un habitué maintenant. Bonsoir Yoram. Salut Bart, salut Pierre. Pierre, on a déjà joué au poker, donc je te connais un tout petit peu, même si on a joué qu'1 ou 2 fois sur les champs il y a une dizaine d'années ou une 8aine d'années. À l'ancien, à feu l'aviation. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Feu, l'aviation. Il y a eu de la chance de tomber sur moi parce que j'y suis pas allé souvent. Écoute ta question, Yoram. Je ne sais pas te le dire. Alors, écoute, ma question change parce que ce que je viens d'entendre m'intéresse. Est-ce qu'il est vraiment inenvisageable de décaler dans le temps ? C'est-à-dire, il n'est pas question d'arrêter la saison, mais de faire une espèce de on ne fait que poursuivre, donc ça aurait été une grosse parenthèse, et on poursuit. Et s'il faut poursuivre, non pas 10 matchs, mais 10 mi-temps de match ou faire un truc où tu as toutes les équipes qui se retrouvent au même endroit pendant 3 semaines, et qui joue les 10 matchs au même endroit à huis clos, enfin, je veux dire, je vois 2 scénarios éventuels. Je ne comprends pas qu'on puisse arrêter, parce que jouer au même endroit sur du synthétique, forcément, pour ne pas éclater la pelouse, où tu confines tout le monde, et tu fais très attention à tout le monde, et tout le monde est dans les hôtels à côté, et tout est hyper bien régulé, tu peux faire tes 10 matchs enfin, il y a combien? Il y a 10 matchs par… donc, tu fais tes 100 matchs. Tu fais tes 100 matchs sur un mois ou un mois et demi. Donc, je comprends pas… je vois pas… J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que ça ne s'envisage pas. Mais, la réponse de Pierre. Et comment tu fais avec la Ligue des Champions prochaine qui va reprendre en septembre? Tu diras à l'UEFA, on ne sait pas qui est qualifié. Non, 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 le sujet, c'est pas ça. L'UEFA, ils n'en ont rien à foutre. L'UEFA, ils n'en ont rien à foutre de ce qu'on va faire en interne. Eux, ils décident de date, voilà. S'ils font une phase finale de la Ligue des Champions en août, c'est pour reprendre normalement le cours de la prochaine Coupe d'Europe, début septembre. Si la France leur dit, excusez-nous, on ne peut pas vous dire qui est qualifié parce qu'on fait les playoffs sur 3 semaines, tous les clubs français vont être exclus, donc ta solution, elle ne tient pas. Mais il n'y a pas moyen de donner le nom des trois équipes ou des 7 équipes ou 6 équipes plus tard, c'est-à-dire au dernier moment. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change pas grand-chose sur les calendriers. Enfin, le tirage aux sorts, de toute façon, se fait en août. Dernier moment, c'est en août. Et en août, tu n'auras jamais fait tes 3 semaines de play-off. Voilà. Puisque le gouvernement a décrété qu'il n'y aurait pas de foot avant le mois d'août. Elle n'est pas plus con qu'une autre, ton idée. Mais c'est impossible au niveau calendrier. Voilà, Yoram, on te remercie pour ta question, camarade, et tu reviens dans cette émission quand tu le désires. Pierre Ménès, l'invité d'OL Night System spécial. Pierre, tu es un journaliste qui segmente énormément parce que voilà, c'est ta personnalité, tu es comme ça. Est-ce que par moment, tu n'as pas envie d'un peu de lâcher la rampe? Parce que quand je vois tout ce que tu prends dans la gueule, et on n'est pas toujours d'accord, mais je t'apprécie plutôt, je te dis la vérité, est-ce que segmenter, au bout d'un moment, c'est pas casse-couille? Pour toi, je parle. Ce serait casse-couille si je jouais un personnage et que ce n'était pas moi, à partir du moment où c'est moi. Effectivement, pour être super populaire, il fallait faire des pipes à tout le monde au CFC, je ne suis pas plus con qu'un autre, je les ferais. Je pense que, mais j'ai pu le mesurer quand j'ai été absent, 7 mois, c'est que même les gens qui ne m'aimaient pas, je leur manquais. Tu vois, tu prends du plaisir à me dire ça? Je prends du plaisir à quoi? À me dire ça, quand tu dis même les gens qui ne m'aimaient pas, finalement, je me suis rendu compte que je leur manquais. Est-ce que ça te fait du bien de me dire ça? Non. Non, non, c'est un constat, parce que je l'ai constaté, parce que j'ai lu les messages qui m'ont été envoyés sur les réseaux sociaux quand je suis revenu, surtout quand j'ai communiqué sur ma maladie 15 jours après ma greffe. Voilà. Mais on a tous besoin de se sentir aimé, Pierre, tu vois. Au bout d'un moment, c'est naturel, c'est en nous. Oui, mais je pense que je suis plus aimé que détesté. Donc, tu vois, quand il m'arrive des coups durs comme ce Covid et que j'envoie ce message de l'hôpital, il y a 1 800 000 vues sur Facebook. J'ai pas lu les 9 000 commentaires, mais ce que j'ai lu, il y avait 90% de messages positifs. Donc, voilà. Et après, tu sais… il y a des gens, un jour, le match Bordeaux-Marseille, Habib Beye a dit que le but de Bordeaux était valable, il s'est fait insulter par les Marseillais. Tu sais, on est dans le milieu du foot, de toute façon, quand tu dis du bien de l'équipe que tu supportes, tu es un génie, t'en dis du mal, tu es une merde. Tu te fais taxer de manque d'objectivité par des supporters qui sont par essence les gens les moins objectifs du monde. Donc… en vrai, ça m'en touche une sans me faire remuer l'autre, quoi. Tu vois, moi, je suis comme je suis, ça plaît pas. En fait, je m'en fous. Et je pense aussi que ce côté clivant, c'est mon succès. C'est pour ça que je suis depuis 10 ans au CFC, parce que, comme me le dit beaucoup de gens, je dis tout haut ce que les autres pensent tout bas. Après, il y a une grande légende qui circule dans le foot, c'est que c'est la guerre entre Jean-Michel Aulas et moi. C'est totalement faux. On s'entend très bien. Il m'a envoyé un SMS adorable quand j'ai eu le Covid. Il a envoyé un tweet adorable. Je l'aime beaucoup. Après, aimer beaucoup quelqu'un, c'est pas non plus dire amen à tout ce qu'il fait. Je suis d'accord. Et voilà. Et moi, je regrette sa com. Je regrette, par exemple, que lorsqu'on sait que les courses hippiques reprennent, il fasse un tweet pour dire les chevaux reprennent et pas le foot. J'ai envie de lui dire, mais arrête. Je sais qu'il y a pas mal de monde à l'OL qui aimerait bien lui supprimer son Twitter. Mais voilà, quoi. Après, le mec, il a payé le stade de sa poche. Il est corps et âme pour son club. Il a beaucoup de qualités, mais il a aussi des sacrés défauts. Mais tu dis, t'as dit dans une interview il y a 7 ou 8 ans que c'est de loin le plus grand président français, et de loin. Ah, bah oui. Après, aujourd'hui, il y a Nasser el-Khalifi qui a aussi beaucoup fait pour que les clubs puissent toucher une partie des droits télé et qui joue un rôle, je dirais, bénéfique à l'ensemble du football français. Et on ne le dit pas assez souvent. Juste pour rebondir sur les propos que tu as eus avant, moi, il y a un côté où tu me fascines, c'est que tu es capable de me dire que finalement, tout ce qu'on dit de mal sur toi, tu n'en as rien à foutre. Et j'ai toujours un peu de mal à croire les gens qui racontent ça. Je ne dis pas que tu me mens, hein, Pierre, hein, mais je dis que pour moi, c'est presque pas possible, quoi. Tu peux deux fois, trois fois, au bout d'un moment, tu n'en peux plus, quoi. Il n'y a qu'un truc qui me blesse profondément. Je vais te dire franchement, il y a qu'un truc qui me blesse profondément, c'est quand on dit que j'ai reçu un traitement VIP pour mes greffes. Voilà, ça, c'est le truc que je ne supporte pas. Voilà, parce que c'est totalement faux. Si j'avais eu un traitement VIP, je n'aurais pas été greffé à 3 jours de la mort. J'aurais été greffé 2 mois avant. Et crois-moi, je m'en serais beaucoup mieux remis que ce que je m'en suis remis au moment où on se parle. Ça, je ne supporte pas. Les vannes sur le prix de mon bouquin, ça commence aussi à bien faire parce que c'est quand même un bouquin sur le don d'organes. Personne ne sait ce que j'ai fait de l'argent que j'ai touché pour ce bouquin et personne ne le saura jamais parce que je n'ai pas envie de me mettre en avant pour l'argent que je donne. Je me mets en avant quand je vais voir des enfants dans les hôpitaux parce que ça leur fait plaisir aux enfants d'avoir une photo avec moi sur les réseaux sociaux. Mais pour ce qui est de l'argent que je donne, j'ai donné pas mal d'argent aux hôpitaux durant cette période parce que déjà, j'ai des bons, j'en ai. Mais voilà, ça, je communique pas là-dessus. Les gens qui disent « Ah, bouquin à 16,90 €, je dis « Si vous en aviez déjà lu un dans votre vie, vous sauriez que c'est le prix. » Voilà, quoi. Ça me blesse pas, ça. Je bloque direct. Le truc sur le régime de faveur pour ma greffe, ça, j'ai du mal à encaisser. À quel moment, Pierre, tu ne te supportes pas ? Quand je suis mauvais à l'antenne. C'est quoi un mauvais Pierre Ménès à l'antenne ? Un mauvais Pierre Ménès, c'est celui qui met Sangaré en flop alors qu'il n'a pas joué. Ça m'a fait rire, ça. Ce jour-là, j'avais 42 fièvres. Donc, je m'auto-excuse pour cette boulette. Je ne me supporte pas. Je n'ai peut-être pas été toujours facile durant ce confinement avec ma compagne. D'être enfermé 50 jours avec quelqu'un, même si c'est quelqu'un que t'aimes, au bout d'un moment, ça pèse. Ça pèse. Mais globalement, je m'aime bien. Globalement, des fois, il me vient des vannes totalement pourries que je peux évidemment pas dire parce que ça ferait des scandales affreux, mais qui, moi, en interne, me font marrer. C'est déjà pas mal. C'est des trucs abjects, hein, mais je déteste pas les vannes abjectes. Mais on les fait dans le privé. Il vaut mieux. 04 84 80 69 2 fois. Alain, sois le bienvenu. Oui, bonjour Bart, bonjour Pierre. Déjà, félicitations de t'en être tiré, Pierre, parce que ça n'a pas dû être simple. Voilà, moi j'ai plus une question un peu qui n'a rien à voir avec le foot, mais pour revenir sur la situation par rapport au président de l'OL. Aujourd'hui, il y a une stigmatisation régulière de tous ces propos dans les médias. Et moi, j'ai l'impression que ça provoque une montée d'une haine vis-à-vis de cette personne qui est très, très nauséabonde. Honnêtement, j'ai peur pour lui, pas pour qu'il puisse se défendre parce qu'il n'a pas besoin de moi, mais j'ai peur que dans la situation actuelle et dans la vie qu'on vit actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui vienne lui faire du mal volontairement parce qu'il s'appelle Aulas. Donc, je voudrais simplement avoir ton avis sur est-ce que les médias ne jouent-ils pas un peu avec le feu vis-à-vis de lui ? Voilà. Merci Alain de ta question. Quand il parlait de violence physique, hein, j'imagine. Enfin, si sa question. Oui, c'est un risque. Il m'arrive d'aller à Marseille, je fais plus attention dans la rue à Marseille qu'ailleurs. Hein. Maintenant, on pourrait dire ça si Jean-Michel Aulas ne donnait que des interviews. Or, Jean-Michel Aulas, il fait sa propre com avec Twitter. Et il faut regarder la violence des commentaires en dessous des tweets de Jean-Michel Aulas. Et il fait beaucoup pour le succès de son club, ça c'est indéniable, mais il fait beaucoup aussi pour l'impopularité de son club en dehors de Lyon. Parce que Lyon, honnêtement, Lyon n'est pas, une équipe antipathique, c'est pas une équipe qui met vraiment des coups, c'est plutôt une équipe qui cherche à pratiquer du beau jeu. Donc, il n'y a pas de raison, que de susciter un rejet comme c'est le cas. Et c'est aussi un petit peu la faute de Jean-Michel Aulas qui en fait trop. Mais accuser les médias, je sais que c'est assez commode en France d'accuser toujours les médias de tous les maux, mais ce serait vrai si il n'y avait que des interviews de Jean-Michel Aulas. Or, Jean-Michel Aulas s'exprime largement tout seul par le biais de Twitter. Après, je sais que sa dernière prestation à l'Équipe TV a pas ravi le reste de l'Hexagone. Ça, pour moi, c'est un détail, mais j'entends ce que tu dis. Quand tu dis qu'il ne fait pas tout bien dans sa com, qu'il ne communique pas toujours très bien, qu'il en fait trop, si je te disais la même chose, Pierre, si je te disais, moi aussi, Pierre, je trouve que parfois, tu en fais trop dans le CFC, tu me répondrais quoi? Écoute, j'ai eu le sentiment d'en faire trop une fois, vraiment, et je l'ai fait volontairement. C'est à quelle occasion? C'est quand il y a eu Marseille-PSG et que Mbappé et Rabiot étaient sanctionnés par Tourelle parce qu'ils étaient arrivés en retard à la causerie. J'ai dit que c'était un petit peu bizarre pour un match aussi important pour les supporters de se priver de deux de ses meilleurs joueurs alors que le PSG était déjà pas mal handicapé dans ce match. Et quand j'ai vu les réactions que ça a suscité des autres chroniqueurs autour du plateau, je me suis dit... je vais forcer le trait. Je vais forcer le trait parce que ça va donner un bon moment de télé. Et moi, il ne faut jamais oublier que je fais de la télé. Et ça a fait un bon moment de télé. Parce que même si j'ai été critiqué derrière, c'est pas grave. Le moment de télé, il existe. Je crois qu'il y avait Alain Roche, Habib Beye. Non, il n'y avait pas Habib Beye. Mais ils ont pu s'exprimer. Mais tu me dis, il y a un instant, Pierre, en début d'interview, tu me dis... je ne suis pas en posture, c'est moi. Et là, tu me parles d'une caricature, puisque tu sais que si tu tires sur la ficelle en question, ça va faire un moment de télé. Donc, il y a un paradoxe pour moi, là. Ouais, mais mon caricature, ce serait pire. Ce serait tenir des propos à la limite sur des joueurs ou sur des présidents. Là, je pourrais, par exemple, tenir des propos à la limite sur le président Sadran de Toulouse, qui veut attaquer devant les tribunaux alors que sa pauvre équipe a gagné 3 matchs sur 28. Tu as juste envie de lui dire « ferme ta gueule et va en Ligue 2, c'est ta place ». Tu vois? Mais bon, on sait se tenir, on a un minimum d'éducation. Là, j'ai juste senti que si je... C'est pas que je forçais... Alors, c'est peut-être pas forcer le trait, la bonne expression. J'ai juste senti que si je disais pas au mec « oh ouais, ok, vous avez raison », et que j'en remettais encore une couche, eux allaient encore en remettre une couche dans le bon sens. Après, je suis capable de m'énerver. C'est arrivé une fois avec Alain Roche, à la mi-temps du PSG Lille, où Lille gagne 5-1. Alain fait une analyse de la première mi-temps et sur le comportement du PSG. Et je lui dis, ouais, mais enfin, il faut voir de quel PSG on parle, parce que je rappelle que le PSG avait commencé le match avec 8 joueurs absents. Et que en première mi-temps, ils perdent Meunier et Bernat sur blessure. Non, Meunier et Evo Silva sur blessure et Bernat expulsé. Et là, il me dit, on s'en fout. Et là, j'ai pété un câble. Parce que ce n'est pas un argument, on s'en fout. Il manque 11 joueurs à une équipe, tu ne peux pas dire, on s'en fout. Je mets au défi n'importe quel club du monde de jouer sans ses 11 meilleurs joueurs et d'avoir un bon résultat. Pierre, on va continuer de parler des médias. Il nous reste 5 minutes, hein, ça passe très vite. L'arrivée de Mediapro, c'est un tremblement de terre quand même, parce que ça redistribue les cartes d'une manière très violente. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que ça fait partie finalement du monde du football ou est-ce que c'est un peu déstabilisant tout ça? Ben moi, si j'étais Mediapro, c'est moi qui serais déstabilisé. Pourquoi? Je ne vois pas de modèle économique à 25 balles par mois. C'est voué à l'échec pour toi? Si tu veux, en payant 450 millions de droits, beIN a perdu 300 millions par an en ayant jusqu'à 3 millions d'abonnés à une époque. Pour une chaîne de télé qui n'a pas de locaux, qui n'a pas encore un journaliste, qui n'a pas le moindre accord de distribution avec quiconque. Tu es sûr de ça ? Ah oui, je suis sûr de ça. En tout cas, je peux vous dire, je suis sûr qu'il n'y a rien avec Canal, il n'y a même pas de discussion. Or, aujourd'hui, si tu veux avoir une chance d'exister, il faut être sur CanalSat. Sinon, tu peux déjà faire le signe de croix. Donc, je suis d'accord avec toi. Bah, c'est pas ça. Donc là, pour l'instant, on estime les pertes parce qu'ils ont donc pratiquement 7 ou 800 millions de droits par an. Ils n'ont pas payé encore un studio, un journaliste, une prod, un déplacement, rien. Donc là, tu rajoutes 300 millions, on est donc autour de 1,1 milliard. Bah, tu mets 25 balles par mois et tu vois combien il faut d'abonnés pour y arriver. Ils n'y arriveront pas et ils vont perdre 700 millions d'euros la première année. C'est gravé dans le marbre. Et là, c'est pas des Qataris, hein. Les mecs à l'arrivée, ils vont se dire, voilà, 700 millions, je ne sais pas si on va continuer à devenir… Donc c'est voué à l'échec pour toi, c'est perdu d'avance. Pour moi, c'est voué à l'échec. Et de toute façon, déjà, il n'a jamais été question que j'y aille, je n'ai même pas été contacté. D'autant plus qu'au moment où on a prolongé nos 4 consultants, moi, je n'ai pas à être prolongé, je suis en CDI à Canal. Donc, moi, vous boufferez ma tronche jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Canal ne veuille plus de moi. Mais voilà, ce n'est pas la bagarre pour y aller, hein. Ce n'est pas la bagarre. Donc, pour moi, c'est morné. Et au moment où on se parle, on n'a pas encore toutes les garanties qui seront là. Hein. Je sais bien, mais tu as eu sans doute, comme moi, des bruits de couloir, de personnalités qui ont été approchées quand même de manière assez concrète, même potentiellement des gens que tu connais. Et ils ont dit non. D'accord, mais donc c'est leur choix. Et je ne me permettrai pas de donner mon avis là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que on a l'impression quand même que ça commence à avancer un petit peu. Quand tu commences à recruter des journalistes ou des anciens joueurs, des consultants, c'est que tu construis la maison quand même. Ah ben, il serait temps quand même, hein. On est mi-mai. Oui, j'entends. Mais comme tu m'as dit il y a un instant, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de rien. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a quelque chose. Il n'y a pas le plus important, c'est un accord de diffusion. Ça, là, d'accord. Là, je te suis. Ça, mais c'est dramatique. Oui, mais tout le monde a intérêt à… Canal comme Mediasport a peut-être intérêt, enfin CanalSat et Mediasport ont peut-être intérêt à trouver un terrain d'entente parce que c'est pas complètement stupide que d'avoir Mediapro sur CanalSat. Ah non, mais au prix que CanalSat, au prix que Mediapro demandait, c'est suicidaire. D'accord. C'est-à-dire que Mediapro demandait plus d'argent pour être sur CanalSat que Canal va payer les droits des 2 matchs qu'on aura en exclu l'année prochaine. D'accord, on a compris que pour toi, c'est mort dans l'œuf. Tu ne mets pas une pièce, quoi. Bah, non. Je dirais même que ça ne m'a même jamais traversé l'esprit de postuler là-bas. D'accord. On te demande beaucoup, et ça sera ma dernière question, tu as beaucoup de sollicitations dans le métier aujourd'hui, Pierre, où tu es très ancré Canal et que finalement, voilà, les propositions, le téléphone ne sonne pas tous les jours, quoi. Non, le téléphone ne sonne même pas du tout. Je pense que dans l'esprit de toutes les autres chaînes, ils doivent se dire le gros, il est trop cher. Tu gagnes très bien ta vie, Pierre. Oui, très bien. Tu as donné ton salaire une fois, il me semble. Oui. Si tu veux le redonner, tu peux. 11 000. Très bien. Brut ou net? Avant impôt. Brut ou net? Net, avant impôt. D'accord, avant impôt, t'en enlèves 3 000. Le truc, c'est à chaque fois que je m'exprime dans des interviews, et donc je vais le refaire là, je crie bruyamment ma reconnaissance envers Canal. Honnêtement, l'attitude de ces gens pendant ma greffe, l'attitude de ces gens pendant mon Covid, tu ne peux pas les quitter. Tu ne peux pas. Je veux dire, quand je dis que c'est une famille, c'est un terme qui est extrêmement galvaudé, mais là, c'est vrai. Enfin, pour moi, hein, je dis pas que c'est le cas pour forcément tous les employés de Canal, mais pour moi, c'est une famille. Je suis plein de reconnaissance pour l'amour, l'intérêt, l'affection. J'ai dit tout à l'heure que j'étais en CDI. Si Canal m'a passé en CDI, c'est parce qu'il voulait que je sois mieux protégé au niveau médical. Tu sais, on a tellement dit de saloperies sur Bolloré quand il a pris Canal. Moi, je suis la preuve vivante du contraire, de cette chaleur humaine, de cette attention qu'on te porte. Et franchement, je serais le dernier des enfoirés à quitter cette chaîne parce qu'ils ne méritent pas que je les quitte, quoi. Alors, peut-être un jour, eux, ils en auront marre de ma tronche, hein, ça c'est possible, et je respecterai ce choix, mais moi je partirai jamais de Canal. Et puis, franchement, pour aller où? À RMC, vendre du poisson, ou à l'Équipe, chier sur le PSG? Jamais. Ah, tu m'envoies deux bombes, il faut que je rende l'antenne. C'est dommage, parce que là, j'aurais aimé creuser un petit peu. Mais on aura l'occasion, Pierre, si tu le veux bien, de continuer cette conversation. Je voudrais te remercier de ta disponibilité. Pardon ? Un tome 2. Eh ben, avec plaisir. Je voudrais te remercier de ta disponibilité parce que les supporters, en règle générale, je ne parle pas ceux de l'OL, sont souvent très durs avec toi. Je crois que dans ma vie, je t'ai demandé 3 fois de venir faire quelque chose directement ou indirectement pour LTV. Et 3 fois, tu m'as dit oui dans la seconde. Donc, je te remercie, Pierre, et je te dis à très vite. Ok, merci Bart. Ciao. Avec plaisir, Pierre. On se retrouve lundi avec Estelle Denis, que Pierre adore d'ailleurs, qui sera l'invitée d'OL Night System, la petite Estelle, au 04 84 80 69 2 fois. Passez un excellent week-end. Je vous rappelle que cette émission est disponible sur YouTube gratuitement et toutes les autres également. Passez un bon week-end et surtout n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, formidable.